journal vous est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir, bienvenue dans la rétrospective de l'actualité de cette semaine. Au sommaire, le lancement des travaux de la route de Kalamba-Mbuji dans la province du Kasaï central par le président de la République Félix Tshisekedi permettra le désenclavement de cette partie de la RDC. En effet, elle aura une ouverture sur l'Afrique australe. Les relations entre la RDC et les États-Unis sont au beau fixe. L'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, coordonnateur de la Maison-Blanche, a été reçu par le chef de l'État dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'arrivage de la cargaison d'essence afin de contrer la pénurie de carburant à Kinshasa a suscité certaines rumeurs concernant sa qualité. Rumeurs vite balayées par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ce réseau de près de 50 km devenu vétuste sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emploi à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Donc ça, là, ma immense opportunité, mon salaire n'a bien été valorisé beaucoup à Colia, pour ça, ma botte n'a bien été, mon salaire haut. Donc ça a une valeur. Pour se sentir le roi Batou, il y a valeur mon aîné. Vous allez que ton ambo cannabis sur République démocratique du Congo. Ma camarade, les aides délais. Mazako, c'est un acte. Vous allez en abiso toujours. Total en ennemi. Toro Kobisa, ma camarade. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ses écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Des bourbiers, des excavations, des tranchées. Quitter Kananga pour se rendre à Kalamba-Mbuji dans le territoire de Kazumba est un voyage de l'enfer. Distante de 230 km, cette route d'intérêt économique à plusieurs visages mène jusqu'au port angolais de Lobito, donnant un accès à l'océan Atlantique. À l'abandon depuis de nombreuses années, ce vecteur de développement devra dans 24 mois revêtir sa plus belle robe. Le premier coup de pioche pour le lancement de ce grand projet a été donné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une deuxième visite officielle dans le Kasaï central après celle de décembre dernier. Ces travaux, qui seront exécutés par Toa Investment, une entreprise israélienne, vont permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour les habitants de cette partie du pays, le projet est salutaire. À l'étape du village Benin-Djibou, sur la même route, un collecteur d'eau est en construction.
L'entreprise égyptienne Arab Contractor est très avancée avec les travaux de stabilisation du sol. Deux équipes travaillent sur ces sites, l'une à Kamwecha et l'autre à Kananga. Il s'agit ici du deuxième projet d'infrastructure routière, celui de la réhabilitation de la nationale numéro 1, tronçon Kananga-Kamwecha. À quelques encablures se trouve le pont Lulua sur la rivière qui porte le même nom. Cette passerelle est dans un mauvais état. Grâce aux travaux lancés, un pont moderne sera jeté juste à côté. Le troisième et dernier projet lancé par le chef de l'État concerne la voirie urbaine dans la ville de Kananga. L'entreprise Safrimex, qui a gagné le marché, doit moderniser un réseau urbain de 50 km dans les chefs-lieux du Kasaï central. Le chef de l'État est arrivé à Kananga. Il n'y a pas eu des foules comparativement aux foules qui s'étaient mobilisées lors du premier séjour du chef de l'État Félix Tshisekedi en décembre 2021. Dans la population, certaines bouches estiment que le chef de l'État ferait mieux de venir inaugurer une route terminée que venir lancer les travaux. Nous avons même échangé avec certains cadres de la société civile qui disent que par le passé, le président Kabila était passé ici, il avait posé trois premières pierres à la centrale hydroélectrique de Katende. Cette centrale n'a jamais été construite, même si les travaux des génies civils aujourd'hui ont aussi les 60% et du côté parti mécanique, il n'y a rien qui est fait. Donc la population, certaines, une frange de la population estime que le président Tshisekedi ferait mieux de venir à Kananga, inaugurer la route terminée et non venir lancer les travaux. De Kananga, Sosten Kambidi. On les voit à travers les routes, rues et ruelles de la capitale congolaise, reconnaissables par leurs salopettes bleues. Ils portent des casques sur leur tête en permanence et des appareils de vaporisation ou de fumigation à leur dos. Abordé, l'un de ces agents de désinsectisation évoque les mentalités kinoises en fait de salubrité publique. Les amis services à désinsectisation. C'est pour la capacité, pour la bangungi, voilà. Mais pas ces petits batubaza comme on a, aujourd'hui, 5 000, 10 000, 20 000, pas seulement pour voilà. Allah la n'a pas insecte, voilà. A coup, on a donc, pour n'aille vraiment au moins à l'IA, parce que pas ces amas cassés. Déclarant vivre de leur métier, et travaillant pour une société privée, il a profité du micro de BCTV pour s'adresser à l'État congolais et aux Kinois. Nous en avons profité. L'État qui a fait la mission en hôtel, l'État a fait la mission en hôtel. Ceux qui ont fait la propriété, ils ont fait la mission. Aux autres, ils ont fait la mission. Ils ont raisonné dans les gens qui ont fait la mission. Mais qui jette les immondices? Ce n'est pas l'État. Mais l'État a fait la responsabilité des pays. Un message, nous l'espérons, qui sera suivi des effets de la part de ses destinataires. Juin 2022, le Rwanda, sous couverture 1-23, s'empare de la ville de Bunagana. La prise de cette ville de la RDC, convoitée par ses voisins, cause plus ou moins 5000 de placés fuyant les atrocités de ce mouvement terroriste. Les rebelles sont venus du Rwanda, tuant de jeunes. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours en train de tuer. Combien de personnes sont mortes? Vingtaine révolue, ces dames disent être violées par ces bourreaux. Avec émotion, elle relate la scène. Les hommes de l'armée rwandaise m'ont pris de force à mon retour du champ. Exposés à la pluie avec des installations hygiéniques que de nom dans ces camps de déplacés. Ces hommes, femmes et enfants, vivent un chemin de croix pénible imposé par l'ennemi au prix de leur survie. Nous n'avons pas d'endroit où aller. On n'a rien. Pas de nourriture. Certaines femmes sont violées.
Deux enfants censés être à l'école nécessitent de déplacer. Ils sont donnés à deux commerces de circonstances pour aider tant soit peu leurs parents. Ces déplacés sont à ajouter au nombre de victimes de cette guerre économique imposée à la RDC sous le regard impuissant de la communauté internationale. Silence, on massacre dans l'est de la RDC. Le coordonnateur présidentiel spécial du président américain Joe Biden pour les affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, a rencontré le président Félix Tshisekedi le lundi 12 septembre. L'officiel américain est venu à Kinshasa sonder le chef de l'État congolais au sujet de la vente des blocs gaziers et pétroliers qui, selon Washington, ne doivent pas tomber entre les mains des Russes ou Chinois, de même que les autres gisements miniers de la RDC. Aucune règle de la diplomatie, pas un seul principe de relations internationales, ne donne ni droit ni pouvoir aux USA d'imposer à la RDC telle ou telle autre catégorie des États à qui vendre ces gisements miniers ou ces blocs pétroliers ou gaziers. Il n'y a que l'ivresse de leur impérialisme éhonté qui permet aux USA d'imposer choix ou politique amenés à la RDC. D'après les méthodes de domination impérialiste, en vertu des captations des souverainetés sous le plan économique, les USA s'arrogent le droit de dicter l'identité d'acheteur pour les gisements miniers et les blocs pétroliers et gaziers à la RDC, qui est leur État client. Cette intrusion serait sans conséquence si les USA étaient prêts non pas à imposer leur prix bas, mais à accepter le prix réel fixé par la RDC elle-même. L'oncle Sam s'impose et fait ainsi fuir les précieux capitaux dont la RDC a grandement besoin pour ses urgents besoins de bonnes postures et d'ascension multisectorielle. Et finalement, les USA vont prétendre aimer la RDC alors que depuis qu'il contrôle de fond en comble ce pays, il ne décolle pas et va de crise en crise pendant que les USA essayent de manière occulte et méthodique à faire imploser les pays cachettes de l'Afrique. Jusqu'à quand les USA se mêleront de la RDC, non pour faire son bonheur, mais pour pourrir sa situation. Aux politiques et au peuple congolais de tout faire pour se soustraire de la tutelle américaine qui ne fait que compliquer les équations congolaises. En cette mi-septembre, quand la saison de pluie s'est fait imminente, les consciences averties et pragmatiques de la mégalopole congolaise qui est Kinshasa expriment des préoccupations quant à la situation de la ville quand les pluies vont commencer à s'abattre sur elle. Un des aspects de cette problématique plurielle, c'est sans doute l'état et l'entretien des caniveaux et autres collecteurs érigés pour le drainage des eaux. La crainte est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et pour le cas d'espèce, les eaux risquent de quitter les lits des caniveaux et autres rigoles pour envahir les routes, les milieux environnants et entraîner des inondations et autres préjudices et désagréments. Tout prête à penser qu'avec la mauvaise tenue de nos caniveaux et rigoles, on vivra les mêmes situations que celles vécues habituellement ou les années antérieures. En effet, nos canalisations d'eau sont partiellement, voire totalement obturées par les immondices et n'ont pas, pour la plupart d'entre elles, été curées. Celles qui ont été curées incommodent la vie et exposent les piétons au risque d'accident car les piles d'immondices ne sont pas évacuées dans un délai raisonnable au point que certaines parcelles de ces immondices rentrent encore dans les canalisations d'eau au passage des gens, voire des véhicules. Si l'office de voirie et drainage de la capitale peut faire un travail valable et digne, que le peu de temps qui reste avant les précipitations soit capitalisé pour bien curer les différentes canalisations d'eau de façon à nous éviter des désagréments et préjudices traditionnels quand il pleut ou après les pluies. L'incurie, l'irresponsabilité et la politique de l'autruche ne payent pas. Une mauvaise cargaison d'essence serait-elle arrivée en RDC? C'est un document présenté comme provenant de l'Office congolais de contrôle, OCC, qui serait en train de semer le doute. D'après celui-ci, cette institution publique aurait déclaré le produit non conforme aux normes congolaises. Il contiendrait un peu plus de soufre. Différentes versions circulent à propos de ce carburant transporté à bord du pétrolier MT Sti Pontiac arrivé le 12 septembre. Parmi celles-ci, figure un prétendu détournement de 28 000 tonnes métriques en principe destinées pour le Nigeria.
Par crainte d'une pénurie à Kinshasa, la cargaison aurait été détournée en RDC afin de constituer un stock stratégique. Rebondissant à toutes les rumeurs en cours, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, a fait savoir que la qualité du carburant est de qualité requise. Elle ne subira que la régénération pour le ramener aux normes internes de la RDC. Il a ajouté qu'une bonne quantité de ce même carburant a été déchargée au Togo quelques jours plus tôt. Aucune plainte n'a été enregistrée. Côté OCC, il est indiqué que des essais du produit ont été réalisés seulement le 13 septembre. Il faut en principe 48 heures pour avoir le rapport. Mais déjà, ce même 13 septembre, des conclusions ont circulé sur les réseaux sociaux. En plus, à cette date, il y avait remise et reprise entre le comité entrant et sortant à l'OCC. Si on l'appliquait sincèrement par les pays étrangers, notamment les pays de vieilles démocraties comme la France et les États-Unis, vraiment constituerait une panacée au problème des humains. Malheureusement, chez nous ici, la démocratie, il y en a qui ne l'aiment pas, ils ont leurs raisons. Au niveau de puissance occidentale, ils s'en servent pour nous trouver de chefs d'accusation, pour trouver des chefs d'accusation contre nos régimes par rapport à certaines questions qu'on cible. Voilà, si aujourd'hui, il y a une journée internationale consacrée à la liberté de la presse, c'est parce qu'à niveau international, tout comme dans notre pays, on s'est rendu compte que la presse est mise à mal, n'est-ce pas, dans les processus démocratiques, quand bien même la presse qui est regardée par beaucoup de pays comme la quatrième puissance, le quatrième pouvoir dans un pays, est mise à mal. Est mise à mal parce que bon, les politiques qui sont pratiquées par beaucoup de gouvernements, par beaucoup de régimes, ne sont pas clean. Hein. Alors ils ne veulent pas que tout soit porté à la connaissance du public. Il veut que les publics les prennent pour des gens sains qui ne sont pas. Alors quand la presse intervient pour accuser, pour dire la véritable vérité, eh bien voilà, on essaye de s'élever et de tout faire pour essayer de bloquer un peu l'élan de la liberté de la presse. On a vu qu'avec les régimes passés, à quelques exceptions près, parce qu'il y en a qui étaient instrumentalisés par les puissances occidentales qui venaient ici des propos délibérés provoquer les régimes pour que si les régimes essaient de les réprimer, qu'on dise que voilà, on a intenté la liberté de la presse, de manifestation qui sont pourtant garanties dans la constitution de la démocratie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a tendance, n'est-ce pas, à refuser la critique, n'est-ce pas, je ne comprends pas pourquoi, parce que des organes de presse qui essaient de critiquer les régimes en place sont un peu mal vus. Le coordonnateur présidentiel spécial du président américain Joe Biden pour les affaires énergétiques internationales, Amos Hochstein, a rencontré le président Félix Tshisekedi le lundi 12 septembre. L'officiel américain est venu à Kinshasa sonder le chef de l'État congolais au sujet de la vente des blocs gaziers et pétroliers qui, selon Washington, ne doivent pas tomber entre les mains des Russes ou Chinois, de même que les autres gisements miniers de la RDC. Aucune règle de la diplomatie, pas un seul principe de relations internationales, ne donne ni droit ni pouvoir aux USA d'imposer à la RDC telle ou telle autre catégorie des États à qui vendre ces gisements miniers ou ces blocs pétroliers ou gaziers. Il n'y a que l'ivresse de leur impérialisme éhonté qui permet aux USA d'imposer choix ou politique amenés à la RDC. D'après les méthodes de domination impérialiste, en vertu des captations des souverainetés sur le plan économique, les USA s'arrogent le droit de dicter l'identité d'acheteur pour les gisements miniers et les blocs pétroliers et gaziers à la RDC, qui est leur État client. Cette intrusion serait sans conséquence si les USA étaient prêts non pas à imposer leur prix bas, mais à accepter le prix réel fixé par la RDC elle-même. L'oncle Sam s'impose et fait ainsi fuir les précieux capitaux dont la RDC a grandement besoin pour ses urgents besoins de bonnes postures et d'ascension multisectorielle. Et finalement, les USA vont prétendre aimer la RDC alors que depuis qu'il contrôle de fond en comble ce pays, il ne décolle pas et va de crise en crise pendant que les USA essayent de manière occulte et méthodique à faire imploser les pays cachettes de l'Afrique. Jusqu'à quand les USA se mêleront de la RDC, non pour faire son bonheur, mais pour pourrir sa situation. Aux politiques et au peuple congolais de tout faire pour se soustraire de la tutelle américaine qui ne fait que compliquer les équations congolaises.
Voici de quoi encourager les vaillants éléments des FARDC dans leur lourde tâche de défendre le territoire national contre ses ennemis, le M23 en particulier. Cette concession, dont les limites ont été vérifiées par les deux parties, c'est-à-dire son propriétaire et l'armée, arrive à bon point. Même le forage n'a pas été oublié. Un représentant des FARDC exprime sa satisfaction et salue le geste du chef de l'État à leur intention. Vous êtes sans oublier que les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo étaient logés ici, mais ils y étaient illégalement. Ces terrains ont fait l'objet de plusieurs dossiers en justice. Le représentant des titres immobiliers, pour sa part, indique que cet achat a respecté toute la procédure et ne pourra susciter aucune contestation. Ce site se traduit comme un soutien du commandant suprême de l'armée au FARDC. Nous nous racontons la volonté des deux parties contractantes. On n'a pas forcé qui que ce soit, on n'a pas ravi le terrain de qui que ce soit, donc il y a eu la volonté intégrante des deux parties. Ils ont désormais le destin du Fonds de promotion de l'industrie FPI entre leurs mains. Nous parlons de Mme Vicky Katoumoua, présidente du conseil d'administration, Bertin Moudimou Tshisekedi, directeur général, et Martin Widjilou, directeur général adjoint. Devant le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, la cérémonie des remises et reprises entre le comité entrant et celui sortant a vécu ce 3 septembre 2022. Après 14 mois d'intérim en tant que directeur général, Jean-Claude Kalenga et son adjoint Christian Omilingo, qui se reversent dans la masse laborieuse du FPI, promettent de continuer à œuvrer avec le même zèle pour le bien-être de cet établissement public de l'État congolais. En termes de recettes, le comité intérimaire lègue une trésorerie nette de 124 millions de dollars américains avec plusieurs grands projets en cours d'exécution dans plusieurs provinces du pays. Au moment où je vous transmets le témoin, nos réserves de trésorerie disponibles, à l'heure où je vous parle, ces réserves se chiffrent à 124 millions de dollars, soit une croissance de 226% en l'espace de 14 mois d'intérim, et nous n'avons pas encore atteint tout notre potentiel de collecte des ressources. Donc, la trésorerie du FPI est saine. Tout en remerciant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix porté sur sa personne, le nouveau manager du FPI, Bertin Moudimou Tshisekedi, promet d'œuvrer pour la continuité et jouer sa partition dans le développement de la RDC. En me confiant les destinées de cet établissement public, le chef de l'État a tenu à m'associer à l'œuvre de la reconstruction de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, dont le relèvement de sa ruine de plusieurs décennies requiert de la volonté et de la détermination dans les chefs de ses dirigeants. Cependant, pour jouer efficacement ce rôle, il ne suffit pas seulement de désigner de nouveaux animateurs, mais les personnels de l'entreprise, cadres et agents, chevilles ouvrières du dispositif, doivent de toute évidence s'ajuster au nouveau management pour la mise en œuvre de ces directives. Voilà pourquoi, tout en remerciant le personnel pour l'accueil enthousiaste qu'il nous a réservé en cette circonstance, je l'exhorte à la conscience et au professionnalisme dans l'accomplissement de ses tâches quotidiennes. Pour notre part, après exploitation subséquente des états des lieux présentés par les différentes directions et services autonomes, nous dégagerons une feuille de route qui servira de boussole aux actions que j'envisage mener avec le concours de tous. Toutefois, je rassure le personnel de ma disponibilité à rencontrer ses attentes, mais dans la discipline
et le respect des instructions de l'entreprise. C'est une autre page d'histoire qui s'écrit au FPI, certes, mais la mission demeure la même, accompagner l'action du gouvernement et la vision du chef de l'État, tout en contribuant dans la réalisation des investissements pour le compte du trésor public et du financement de l'industrie locale en République démocratique du Congo. La République aura toujours besoin de vous. Continuez. Le lancement des travaux de la route de Kalamba-Mbuji dans la province du Kasaï central par le président de la République, Félix Tshisekedi, permettra le désenclavement de cette partie de la RDC. En effet, elle aura une ouverture sur l'Afrique australe. Les relations entre la RDC et les États-Unis sont au beau fixe. L'émissaire du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, coordonnateur de la Maison-Blanche, a été reçu par le chef de l'État dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. L'arrivage de la cargaison d'essence afin de contrer la pénurie de carburant à Kinshasa a suscité certaines rumeurs concernant sa qualité. Rumeurs vite balayées par le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous avec les programmes de BSC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.